Bonjour les créatifs, je suis ravie de vous retrouver dans ce tuto d'origami. Aujourd'hui, nous allons réaliser une grenouille sauteuse. Commençons le pliage pour cette grenouille. Nous allons déjà plier cette page, ce carré de 18 cm en deux. Je vais amener l'angle en haut à droite. Je vais le plier comme ça dans la diagonale. Je marque bien le pli. J'ouvre et je fais la même chose de ce côté. J'ouvre. Je vais pousser les deux triangles de ce côté vers l'intérieur. J'écrase au-dessus. Voilà, j'obtiens cette forme, j'appuie bien. Ensuite, je vais prendre cette pointe à gauche et je vais venir la plier vers le haut. Je fais la même chose de ce côté. Ensuite, je vais plier ce carré en deux. J'ouvre légèrement pour venir plier la partie de droite vers le centre. Je vais faire la même chose de ce côté. Je viens plier une nouvelle fois en deux. Donc vers le haut. Pensez à bien appuyer, ça devient un petit peu plus épais. Je vais prendre cette pointe et venir la plier vers le bas et vers le centre. La même chose ici.
Ensuite, je viens ouvrir cette pointe en tirant vers la droite et vers la gauche. Comme ceci. Et je viens plier la pointe vers le bas. La même chose de l'autre côté. Les deux pointes sont en bas. Puis je viens plier la pointe de gauche en bas vers la gauche, comme ceci. Je suis en train de former les pattes arrière de la grenouille. J'appuie bien. Je vais venir plier ma grenouille en deux. Puis un autre repli dans le milieu. Vous voyez ici le premier pli et le second. Pour finir, je viens plier légèrement la pointe vers l'intérieur. Je peux éventuellement venir avec un stylo noir faire les yeux. Eh bien les créatifs, ce tuto d'origami facile est terminé. J'espère que vous avez aimé faire cette petite grenouille sauteuse. Et maintenant, c'est à vous de jouer.